Pour Alain Juppé, cette première tentative de médiation s'annonce compliquée. L'ancien Premier ministre s'est donné pour mission de créer une commission indépendante et équilibrée pour départager François Fillon et Jean-François Copé. Il doit d'ailleurs en théorie rencontrer les deux hommes ce soir. Problème, c'est également aujourd'hui vers 9h30 que se réunit une autre commission, celle des recours de l'UMP. Elle est composée de 9 membres élus par le Conseil national du parti et a pour mission de trancher les litiges à l'intérieur de l'UMP. Le conflit entre Jean-François Copé et François Fillon sur la présidence du parti est justement à son ordre du jour. Mais cette commission est jugée partiale par François Fillon en raison de la proximité affichée de la majorité de ses membres et de son président avec Jean-François Copé. Alain Juppé invite donc les soutiens des deux candidats à quitter la commission des recours. Une demande appuyée par François Fillon, mais rejetée par Jean-François Copé. Deux hypothèses ce matin, la commission désigne un gagnant, ce qui marquerait la fin de la médiation Juppé, ou bien certains membres décident de quitter la commission de recours pour cause de désaccord.